what we see is our future. The new Lamborghini Countach. Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur GTA V version PC, avec un mode menu bien évidemment pour faire spawn certains véhicules, dont des véhicules IRL. Vous le savez, depuis hier, on a appris l'arrivée du nouveau DLC, il y a eu de nouvelles informations qui ont été partagées, enfin il était temps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien sera dans la description de cette vidéo info sur le DLC. Et on a aussi eu la première image du premier véhicule qui arrivera dans ce DLC, qui sera donc une Pegassi, on ne connaît pas encore le nom exact, mais on sait que ce sera une Pegassi, puisque ce sera une Lamborghini Countach de 2022, c'est donc celle qui est à gauche, qui est ici. Donc, je me suis amusé à vous mettre aussi la Torero, puisque c'est l'ancienne version de la Lamborghini Countach. Donc, voici, in-game, à quoi pourrait ressembler la future Pegassi. Alors, bien évidemment, ce que vous voyez là, c'est une reproduction parfaite du modèle IRL, attention, donc elle ressemblera pas exactement à ça, mais je tenais à vous le montrer in-game, parce que je trouve que c'est beaucoup plus... on s'en rend beaucoup plus compte un petit peu de la taille de la voiture, à quelle taille Rockstar pourrait leur donner, la dimension, enfin voilà, le style de la voiture, à quoi elle pourrait ressembler, c'est plus agréable à voir in-game que simplement avec des images, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, c'est pas la version que va faire Rockstar, elle sera un petit peu modifiée, elle sera différente de celle-ci, un petit peu, puisque on sait maintenant que les nouveaux véhicules qui sont rajoutés depuis quelques, au moins un ou deux ans, sur les DLC, les véhicules ressemblent de plus en plus aux véhicules IRL. Elle lui ressemblera fortement, mais il y aura quelques détails qu'on n'aura pas et qu'on a sur celle-ci, puisque comme je vous dis, celle-ci était une reproduction parfaite de la Lamborghini Countach de 2022. Avant d'en parler un peu plus et de vous donner plusieurs détails sur cette voiture, je vous ai récupéré quelques éléments que j'ai récupérés comme info, on va dire, pour vous faire une vidéo info assez sympa, un peu à la manière d'Automoto, sur ce véhicule. Avec, vous verrez, en fond, il y aura une vidéo et tout, hein, que je mets de temps en temps avec des images. Donc, on va ouvrir les portes et regarder un petit peu l'intérieur. Là, c'est pareil, hein, vous attendez pas à ce que l'intérieur soit identique à celui qu'on va voir, parce que celui-là qu'on va voir, c'est le vrai intérieur du vrai véhicule. Donc voilà, j'ai ouvert un petit peu. Donc forcément, à l'avant, on a le coffre. Voilà, qui est vachement bien détaillé, vous voyez. C'est super bien détaillé jusqu'à l'ouverture du capot et tout ça. Les modeurs, ils font quand même un travail exceptionnel. Et Take-Two ose, mon culot, de les poursuivre jusqu'en justice pour les empêcher de continuer leur boulot qu'ils font et gratuitement, en plus tout seul pour la plupart. Et regardez-moi le travail, quoi. Le travail est incroyable. Franchement, c'est... Les détails sont dingues, jusqu'au Countach à l'intérieur de porte, pff, sur le bas de caisse, bon. Alors on a même normalement le Countach en dessous du... Ouais, bah vous voyez, on le voit. Juste en dessous du capot, on le voit bien. Ouais, il a vraiment fait un max de détails sur la voiture et c'est vraiment super stylé, quoi. Regardez-moi ça à l'intérieur comme il est stylé. Ça fait très avion de chasse, hein, par contre. Hein. Il y a énormément de boutons. Alors par contre, la couleur, je trouve qu'elle est magnifique. Ce bleu est super joli. Et avec l'intérieur en bleu comme ça, c'est pas dégueu. Hein. Avec une touche de carbone sur la base centrale, voilà, on dirait un petit peu de la, peut-être du velours ou du tissu bleu sur le tableau de bord. Donc franchement, c'est les détails sont ouf, hein, vraiment. Allez, on continue de faire le tour avec le petit Countach à l'intérieur, là, comme ça, là. Bon. Là, les jantes, elles sont aussi, c'est les mêmes que IRL. Hein. Vraiment, elles sont super jolies. Et donc, c'est la LPI 804 aussi, oui, voilà. La LPI 804, donc c'est la Lamborghini Countach 2022, LPI 800, avec un tiret et le 4 à côté, quoi. Donc là, on a les plaques européennes Dutch, ça doit être un allemand, hein, D, Allemagne. Là, on voit un peu en détail le V12, puisque c'est un V12 de 800 chevaux, bien évidemment. Et là, c'est pareil, les détails sont dingues, quoi. Par rapport au véhicule IRL, il s'est gavé, le mec. Franchement, c'est l'un des plus beaux véhicules que j'ai fait spawn. En termes de finition, il est superbement bien réussi, quoi. Alors, je pense que l'aileron s'ouvre avec la vitesse. On verra ça. De toute façon, on va aller la tester après, voir s'il a fait des customs ou pas dessus. Pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de custom, par rapport à ce que lui, il a inventé, ou s'il n'y a pas grand-chose
En termes de custom. Je sais pas du tout, je suis pas allé vérifier, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc voilà, franchement ça a de la gueule, on va monter dedans. Et vous allez entendre un petit peu le bruit comme ça. Avec le compteur numérique extrêmement réaliste. Les tours minutes digitales. Oh, regardez-moi ce travail. Incroyable. Incroyable. Avec la petite bande au milieu là qui fait un peu un peu toit ouvrant. C'est, en fait c'est un verre hein, qui est au milieu. Les rétros qui marchent aussi, visiblement. Celui-là de l'intérieur, en tout cas, on voit derrière. Non, franchement, le travail, il est ouf. Il y a jusqu'au truc des lumières, jusqu'au voyant de lumière qui s'affiche et tout. Non, non, vraiment, c'est un très très beau travail qu'il a effectué, le mec. Gros, gros GG à lui. Et franchement, c'est un régal hein, de conduire ça, là. Ça fait plaisir de voir un intérieur comme ça. Mais bon, comme je... Lamborghini dévoile enfin la seconde génération de la Countach. Alors bien évidemment, au moment où je lis cet article date d'il y a un peu moins d'un an. Faut savoir que la Lamborghini Countach 2022 a été dévoilée en août 2021. Cette génération de Countach qui en fait une Sianet largement recarrossée, elle reprend d'ailleurs le V12 hybride de 800 chevaux. Beaucoup l'attendaient et peu imaginaient que Lamborghini allait la produire. Pourtant, le constructeur italien va bien assembler 112 exemplaires de la nouvelle Countach, qui n'est pas un coupé à part entière, mais une énième version très lourde, et ici à 780. Elle en reprend en tout cas les proportions, nez très bas, arrière allongé, et large, pavillon très bas, pare-brise fortement incliné, mais aussi le moteur. Le V12 6,5 litres atmosphérique de L539 est un bloc qui aura finalement peu vécu chez Lamborghini. Apparu sur l'Aventador pour faire suite au V12, Bizzarini, ce moteur développé depuis une feuille blanche, est ici à 780 chevaux. Mais comme sur la Sian, il est épaulé par un moteur électrique de 34 chevaux pour un total de 814 chevaux et plus de 700 Nm de couple. Pour le reste, c'est du grand classique, avec une transmission intégrale et une boîte manuelle robotisée qui a pour habitude de donner de grands coups de fusil dans les cervicales du conducteur à chaque passage de rapport. Cette Countach LP804 repose sur des jantes de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière, chaussées de Pirelli P0 Corsa et abritant des freins en carbone céramique. Esthétiquement, Lamborghini n'a pas eu à chercher bien loin pour l'inspiration puisque ce sont les Countach LP400 et 500 qui sont inspirés. Que ce soit sur le bouclier avant, les ailes arrière avec l'ouverture latérale pour le moteur ou encore les feux qui sont toutefois assez proches de ceux de la Sianet. Lamborghini ne produira que 112 exemplaires en référence au projet LP112 de la Countach, à un tarif unitaire de 2,3 millions d'euros. Évidemment, comme pour toute supercar aussi mythique, la production ne devrait avoir aucun mal à être allouée. Donc autant dire qu'elles seront forcément toutes achetées. Voilà les amis, ça c'était pour les infos supplémentaires. Maintenant on va aller la tester in-game. Et voir s'il y a des customs intéressantes dessus ou pas, ou du moins si le modeur en a rajouté. Juste avant, on va juste revenir sur la version ancienne hein, de la Countach, qui est donc la Torero dans GTA Online. Vous voyez, elle est quand même assez ressemblante hein, dans le design. Alors forcément, elle est beaucoup moins carrée, la nouvelle version de 2022. Peut-être beaucoup moins élargie au niveau des ailes, encore que, elle est quand même assez large. Hein, mais vous voyez, on voit toujours les grosses prises d'air à l'arrière, qui sont significatives hein, de la Countach. La ligne est vraiment assez ressemblante quand même. Hein. Alors forcément, bah, la version 2022 est beaucoup plus longue. Peut-être pas plus large, encore que. Ça se jouerait... peut-être un peu plus large quand même. Mais voilà, on est vraiment sur une belle inspiration. Et voilà, ça fait plaisir. Bon alors après, c'est sûr qu'à l'époque, les jantes n'étaient pas aussi hautes que maintenant, aussi grandes. À l'époque, c'était des jantes... bien plus petite, hein. On devait être sur du... Et encore, ça devait être peut-être du 16 ou du 17 pouces, là. Mais voilà, juste pour vous montrer un petit peu, parce que bon, je l'ai fait spawn, donc autant... même si vous la connaissez bien, hein, cette voiture dans GTA Online. Mais voilà, histoire de faire un petit comparatif vite fait. Mais c'est, voilà,
Après, l'arrière, comme il disait, sur les infos que j'ai récupérées et les détails qui étaient donnés, c'est vrai que l'arrière ressemble un peu à la Siané. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les deux phares ronds de chaque côté, comme sur ce modèle de l'époque. On est plus sur des feux arrière qui ressemblent à la Siané, même si là, on voit trois de chaque côté au lieu de deux. Donc, bon, dans l'ensemble, on voit bien que c'est inspiré de la Countach de l'époque. Allez, on va aller la tester. Et je vais vous laisser un petit peu apprécier le bruit jusqu'à la sortie. Le bruit est sympa quand même, hein. Par contre, j'ai pas l'impression que l'aileron se relève sur le modèle qu'il a fait. Je sais pas si c'est. Ou alors c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'aileron qui se relève sur ce modèle-là. C'est possible. J'ai pas. C'est pas un truc que j'ai fait attention. Et je crois. Mais je crois que sur les vidéos, effectivement, l'aileron ne se relève pas. Vous voyez? Donc, il n'y a peut-être pas d'aileron qui se relève là sur ce modèle-là. Après, c'est un truc que Rockstar peuvent ajouter, hein, de même. Hein. Wow! Il est haut, il est un peu grand, Franklin. Limite, je vois pas bien la route. Je vois plus le plafond que la route, quoi. Ok, on va faire demi-tour ici. On va aller au garage. Non, franchement, elle est super bien réussie, le bruit est bien sympa. Curieux de voir ce qu'ils vont faire comme bruit sur la version online de GTA. Mais en tout cas, bon, je sens que c'est une voiture qui va plaire à beaucoup de monde encore. Déjà que la Ignis, franchement, moi je la kiffais. Mais alors celle-là, je pense qu'elle va être pas mal aussi, quoi. Bon, alors il a pas. Il a rien mis en termes de modification esthétique. C'est un petit peu dommage, du coup on pourra pas trop se rendre compte de ce que ça pourrait donner. Même si sur l'image on voit déjà quelques améliorations hein, qu'ils ont partagé là, l'image que je vous ai montrée. Je vous la remets en fond, à côté. Et on se rend compte qu'il y a quelques améliorations au niveau du pare-choc, je crois même du capot, si je me souviens bien. Il faudrait que j'ai l'image à côté de moi. Le capot, on voit qu'elle a un aileron à l'arrière. Elle a. Oui, enfin, on voit pas mal d'améliorations même. On voit qu'elle a des ailettes sur les côtés gauche et droit des pare-chocs. À l'arrière aussi, elle en a des bas de caisse. Ouais, bon, elle est entièrement modifiée sur l'image en fait. Hein, des rétros noirs. Donc, ouais, il va y avoir pas mal de custom. Enfin, pas mal, je sais pas, mais il y aura la moyen de mettre un aileron pour ceux que ça intéresse déjà sur le modèle de GTA Online. Je vais juste mettre suspension. Je vais mettre deux roues. Tac. Transmission course. Est-ce que. Bon, bah écoutez, on va retourner. Sur la piste, on va la pousser un peu, puis voilà, ce sera la fin de la vidéo. Bon, c'est dommage, on n'a pas de custom du coup. Je suis un petit peu deg. J'aurais aimé avoir une petite custom. Bon, le principal, c'est que vous l'ayez vu un petit peu in-game pour vous faire déjà un petit aperçu. J'espère que ça vous aura plu. Bon, elle a l'air de pousser, hein. Je sais pas comment il l'a réglé, mais. Ça me fait bizarre de conduire avec une manette Xbox, je vais pas vous mentir. Ça me perturbe un peu par rapport à être habitué avec la manette PS5. Puis sur PC, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vif que sur la Play, je sais pas pourquoi. Allez, on va essayer de la pousser un peu pour voir.
On n'était pas au bout. On va mettre le compteur MPH pour que vous vous rendiez compte un peu de... du truc. Allez. Elle a des longs rapports, hein. Ouais, elle a l'air, il l'a fait. Elle a l'air d'avoir une belle vitesse max quand même, hein, sur ce qu'il a fait comme réglage. Alors, je sais pas si on aura une vitesse de pointe aussi performante sur GTA Online. On verra bien. C'est là qu'on va voir d'ailleurs s'il y aura une différence entre PS5 et PS4 ou s'ils vont mettre les mêmes caractéristiques. Parce que bon, pour un véhicule comme ça, il y a largement moyen de la faire performante, quoi. Voilà les breakers, c'est la fin de cette vidéo sur cette Lamborghini Countach. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez hâte de la découvrir sur GTA Online. Et puis bien évidemment, il y aura d'autres vidéos de ce genre quand le DLC sortira, avec les véhicules in-game de GTA Online, puisque je sais pas s'ils les sortiront tous comme en 2020, parce qu'en 2020 ils avaient tout sorti d'un coup, donc on verra. Et s'ils sortent pas tous d'un coup, bah bien évidemment je vous les présenterai en avant-première sur PC. Et voilà, enfin vous avez l'habitude pour ceux qui me connaissent. En tout cas voilà, n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, à vous abonner en activant la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, pour pas rater les prochaines vidéos dans ce genre ou ce style, si jamais ça vous plaît. Et puis pour pas rater tout simplement les infos sur le DLC qui va arriver ou sur les infos autour de Rockstar Games, bien évidemment. Encore merci à tous pour votre soutien, surtout hier soir, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur TGS Rockstar Club. Ciao. Future is our legacy.